Hello tout le monde, c'est Pierrastic14, se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5. Donc là en fait je voulais vous mettre le truc parce qu'en fait là on va se faire enlever. Génial. Ouais. Ah bah hey, mec, c'est pas de ma faute, il lance l'émission comme ça frère. Eh hey, oh Ouais, on peut même plus chasser du Wapiti tranquille. Parce qu'en fait, on est en train de chasser du Wapiti. On vous laisse avec la cinématique. Non, ce n'est pas la volonté du père. Ouais, c'est ça. John, il est prêt à entendre sa confession. Et j'ai pas dit, je suis toujours en compagnie de Keegan et avec un autre qui va bientôt nous rejoindre juste après. En fait, il y a juste la mission qui s'est mise en fait. C'est juste, on va venir après, y a pas de souci. Il va venir juste après. Ouais, mais... Ah, il a pas encore débloqué la coque, ça veut dire. Ah, ok, bah, il fait le début du jeu et puis il débloquera la coque après. Oh, mec, il... Mais mec, il fout le seum avec son siffle. Ça, c'est comme les gens au magasin, mec. Ah, il fout le seum à siffler là. Non mais sérieux. Parents sont les premiers à m'avoir enseigné le pouvoir du oui. Ouais, c'est vrai, celui-ci sape mieux, mais après c'est pas le plus badass, quoi, tu vois. Ils m'ont emmené dans la cuisine et ils m'ont... Jacob et Joseph. Enfin, tu vas pas dire que Joseph il est pas badass, quoi. Attends, faut laisser écouter parce que du coup mes téléspectateurs n'écouteront pas sinon. Les limites de ma résistance. Mais non. Je me suis comme libéré à l'intérieur. Je n'avais plus peur, je voyais clair. Je les ai regardés et je me suis mis à rire. Je n'ai eu qu'un seul mot. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. J'ai ouvert chacun de mes ports un à un, et une fois rempli, j'en ai créé d'autres. Mais c'est Joseph qui m'a montré à quel point j'étais égoïste. Je prenais tout. Frère, t'es qu'il est en train de me toucher, t'es que je suis une meuf là. Faut se mettre sur le. Celui qu'on fait. Frère, il... ouais, mais. Il faut du courage. Grave, frère. D'admettre ses péchés. Pour les graver dans sa chair. Supporter tout leur poids. Et après, de souffrance, quand vous commencez à expier, les arracher tel un cancer et les brandir aux cieux de. Ça, c'est du courage. Je vais vous enseigner le courage. Vous allez apprendre à dire oui, pour que vous affrontiez vos faiblesses, pour que vous affrontiez vos péchés. Vous franchirez un océan de douleur pour être libre. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez expier. Bon, par qui je commence? Est-ce que je dis oui? Par qui? Oui! Tu ne la regretteras pas. Oh putain. C'est promis. Mais avant de commencer, je crois qu'il est normal que l'officier Hudson retourne dans sa chambre. Une confession. Ce doit être privé après. Je ne vais pas te prendre. Je vais plutôt te prendre. Je vais t'ouvrir en deux. Pour déverser tes frayeurs. Et ce faisant, tes péchés se dévoileront un à un. Ce n'est qu'à cet instant que tu comprendras vraiment le pouvoir
Je reviens tout de suite. Oh, on te permet, hein. Vas-y. Oh, mais depuis tout à l'heure, frère, il arrêtait pas de me ploter, frère. Il est fou le seum. Ah, du coup, je dois me barrer, du coup. Toi aussi, t'es en train de te barrer ou pas? T'es en train de te barrer ou pas? Ouais, parce que vu que c'est ma campagne. Non, non, toi aussi tu dois te barrer, je crois. Ah, mais moi je connais aussi, hein, t'inquiète. Mais je vais pas spoiler à mes abonnés non plus, tu vois. Allez. Allez, confession, voilà, mission. Alors, incliné pour déplacer le fauteuil. Ah ouais. Ah, j'ai reçu des points de compétence parce que à cause des minutes passées en passe en coop. On y va, on y va. Allez, allez, on y va. Ouais. Attention, 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 il y a deux gars, il y a deux gars. J'ai compris que c'était eux qui m'empêchaient d'être l'homme que je voulais être. Je vous remercie de m'avoir choisi. C'est pris trop du sale. Non, Tellement. T'as pris une arme ou un truc? Ouais, bah, hein? C'était pour ma survie. Interagir. Allez, allez, vas-y, force, ma petite. Ma petite renoie sauvage. Allez, vas-y. Exactement. Et ça n'a plus d'importance. Après l'effondrement. Waouh, 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 waouh. Mate, c'est trop dur. Ah, ah. Accroche. Vas-y, je m'accroche, m'accroche. Mais tu l'as. Ah. Ah, mais vraiment épique fail. Mais vraiment le plus gros fail de toute l'histoire de Far Cry, mec. Vraiment. Mais c'est toi qui t'es cramé, mec. Bah, c'est normal, c'est parce qu'on est en pleine mission, mec. T'es con. Alors, ça, bonne question. Allez, c'est parti, là on y va tranquillement. Il faut trouver l'officier Hudson. Voilà. Et je tiens à remercier John de m'avoir purgé de mes péchés. J'ai compris que... Attends, je vais prendre un bâton. Attends. Attends. J'ai des couteaux de lancer, hein. Ouais, je sais. Tiens. Fils de pute.
Attends. Attends. Ah, t'as lancé ta batte? Non, je sais pas, non. Ah putain, bah pour l'instant j'ai pas d'armes, mais j'ai des couteaux de lancer, c'est déjà ça, tu vois. Faut qu'on utilise des couteaux de lancer, mec. Ok, celui de droite. Un. Ah, j'ai loupé! Tiens! Non! Mais on est mort! Ah! Accroche-toi! Non mais mec, on est trop nuls, mec. C'est pas possible, ça. Mais tu me dis que tu prends celui de gauche! Oh non! Mais tu fous le seum, mec! Mais c'est parce que moi, je visais celui de droite. Ah, ok. Ah merde, j'ai mal entendu, moi. Je suis con, moi. Ouais, je crois que t'as dit ça. Bon, là, c'est la troisième fois, c'est la bonne, là. On se fait pas repérer, là. Eh, tu sais que je peux porter plainte, hein. Je suis une meuf, hein. Je peux porter plainte pour viol, ok? Ok? Harcèlement sexuel. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu lui balances la batte? On a des couteaux de lancer, gros. Je m'accroupis, mec. C'est bon. Tranquille, gros. T'as une arme, toi, non, du coup? Hein? Il est où mon couteau de lancer? Je le vois pas. Attends, j'arrive. Tu prends lequel? Exactement. Gauche, ok. 1, 2. Bien joué, mais attends, je t'ai dit 1, 2. C'est pas 1, c'est à 3 normalement que ça se fait. Non, full sum. Mais pareil! Pourquoi on meurt à ce moment-là, mec? Oh, ça fout le seum! Pourquoi on meurt à ce moment-là, mec? Mais je crois qu'il faut pas qu'on les bute, mec! Bah, mec! Je te dis 1, 2, 3, tu lances ton couteau, tu fais pas. Tu lances pas à 1, mec! Mec! Tu forces! Mec, je te dis 1, 2, 3, tu lances. Mais toi, tu lances à 1. Normal que j'ai loupé mon couteau. Et je tiens à remercier John de m'avoir.
Il est où, elle est où? Ah, elle est là, elle est là. J'ai un couteau de lancer, c'est bon. Ok. Faut exécuter lui. Déplace le corps mec. Essaye, au moins. C'est l'endroit le plus sûr de toute la vallée. Ferme cette cellule. C'est pas juste. Vous ne pouvez pas faire ça. Parfait. Ah non mais t'inquiète, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux mec, parce que si on fait des cons mec, ça va partir en couille. Donc laisse. Ouais ouais parce que là sinon on fait de la sinon on va faire de la merde. Alors je prends celui de gauche. Après l'effondrement. Je prends celui de gauche. Attends. Parce qu'on est en pleine mission mec, on galère. T'es prêt? Cette stock pour voir venir, c'est pas fini, ils en apportent encore. Surveille tes propos. Ça pourrait être pire, tu sais. Ici, tu as juste à te confesser. Donc en fait, il fallait juste qu'on attende un petit peu. Disons qu'un excès. En fait, on est juste des grosses merdes, en fait, c'est tout. À la tête. Face a créé des anges, mais on ne peut pas dire qu'elle en prenne grand soin. T'inquiète. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et par contre, j'ai remarqué, les couteaux, ils ont une retombée, hein, mec. Hein. Par contre. Hein. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. C'est bon. Il a une arme ou pas? Ils ont une arme ou pas? Ouais, j'en ai une, c'est bon, j'en ai une. Ok, ok. Ouais, normalement ça devrait le faire. Trouver. Ok. Eh, tranquille là. On l'a fait easy là. Je vois pas beaucoup. Je sais pas comment on a fait pour se louper dès le début, mec. Putain. Mais mec, parce que le plus dur c'est après, mec. On est d'accord. Ouais, je crois, on va récupérer nos armes, donc c'est pas mal. J'ai cru qu'il allait faire un doigt, mec. T'imagines, il fait un doigt. J'avoue que ce serait drôle. Elles sont où nos armes? Elles sont où nos armes, mec? Ils sont où?
Hein? Attends, attends, t'es où? Mec, je suis en train de crever là. Plongez dans vos péchés pour voir la futilité de vos efforts. Ok. Est-ce que tu te rends seulement compte des crimes que tu commets? Waouh, 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 pareil. Attends, je pars, hein. Moi, je pars, hein. Je me casse, hein. Moi, je me casse, hein. Je fuis. Il y a marqué fuyez. Bah, je fuis, hein. Je ne fais que ça. Ah, mais je me barre, mec. Moi, je pose même pas de questions, moi. On va chercher le petit Wapiti après. Quitte cet endroit. Gaffe-toi de ta colère. Viens, viens, vite, 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 vite. Si tu restes ici, je vais saigner ta petite princesse comme une truie. Allez! On a fui? Mais t'étais où, bordel? Ça fait plusieurs fois que j'essaye de te contacter. Mais va te faire foutre! Ouais, pendant que vous touchez les couilles là. Allez, confession terminée. Bah moi ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo juste à partir de là mec hein, parce que là ça va commencer à faire beaucoup tu vois parce que là on a vu qu'on a tellement galéré pour le début bah forcément tu vois. Officier, écoutez un peu. Ah on est mort aussi ah. C'est sur ça qu'on va terminer les gars. À la prochaine pour c'est fini pour ce 7e épisode de Far Cry 5. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Je vous dis ciao, bye bye.